Yeah, there, she there she is. Cameroon, thank you so much for your support. We're just getting started and we can't wait to see you guys next round. Allez, Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à de plus sur une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite non seulement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis presque l'homme le plus heureux, si je peux le dire ainsi. Étant donné que le Cameroun a battu la Tunisie sur 2-8-0, comme l'écran, si je peux le dire ainsi, performance XXL de chaque joueur et à son poste bien évidemment. Les filles se sont données à fond, malgré qu'il y a certains déchets encore à revoir, mais à l'heure actuelle où je vous parle, les lions se sont données à fond. Elles ont montré qu'elles peuvent. Et moi, je le savais. Et je savais que l'effectif que nous avons à notre disposition, malgré la jeunesse en elle, et cette jeunesse en elle est vraiment très, très puissante. Je pense qu'elles peuvent aller plus loin. Pourquoi ne pas remporter la finale Samuel était, lui, fixé l'objectif la Coupe du Monde, étant donné que... Lui, la canne n'est pas là. Le prophète de la canne n'est pas là. Moi, particulièrement, moi, je pense d'abord à la canne. C'est d'abord ça qui est d'abord dans ma tête à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler. Car cela nous tient, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et en ce qui concerne le prochain adversaire du Cameroun au cas du final, bien évidemment, beaucoup de personnes tendent vers le Nigeria. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites cela, bien évidemment, étant donné que le Cameroun en est le à l'heure actuelle est deuxième de sa poule avec 5 points. Et le Nigeria, bien évidemment, est aussi deuxième de sa poule avec 3 points, si je peux le dire. Ainsi, étant donné qu'aujourd'hui, elle va jouer contre le Burundi, d'ailleurs, qui est dernier de la poule. Et l'Afrique du Sud qui va jouer avec le Boswana, qui, d'ailleurs, l'Afrique du Sud, premier de sa poule, le Boswana, troisième de la poule, bien évidemment. Ça veut dire que quoi <coughs> L'Afrique du Sud a joué face au... Euh, face au Nigeria, elle a battu le Nigeria sur 2 buts à 1. Elle a joué face au Burundi, elle a battu le Burundi 3 buts à 1. Ça veut dire qu'elle a à sa disposition 5 buts marqués pour 2 buts à caisser. Le, le Nigeria, quant à lui, c'est elle si je ne peux le dire ainsi, a joué contre l'Afrique du Sud, a encaissé 2 buts pour 1 but marqué. Elle a joué face au Botswana, elle a marqué 2 buts à zéro. Ça veut dire quoi elle, sa disposition 3 buts à 1, 3 buts marqués pour 1 but à Kessé et l'Afrique du Sud en est à 5 buts marqués pour 2 buts à Kessé. Ça veut dire que moi particulièrement quand je vois ces statistiques et je sais que ça va différer des, trois, euh, des croisements si je peux le dire ainsi l'Afrique du Sud est notre potentiel adversaire. Pour que le Niger rencontre le Cameroun, il faudrait que elle batte le Burundi minimum sur Quatre buts à zéro sans encaisser. Quatre buts à zéro sans encaisser le moins que but. Parce que un deuxième ne peut pas rencontrer le 1 deuxième d'une de autre poule. C'est quasi impossible. Étant donné que la Zambie qui est première dans notre poule, elle va rencontrer le Sénégal qui est deuxième de la poule. Et aujourd'hui, le Maroc était premier de sa poule. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'elle va rencontrer peut-être le troisième de la poule B, ou euh, le troisième de la poule C, ou alors le troisième de la poule, euh, le deuxième de la poule C. Soit le troisième, soit le deuxième de la poule C. Je ne sais pas quel schéma vous vous dites. Il faudrait que le Nigeria batte le Burundi 4 buts à 0 qu'elle soit première. Et moi particulièrement, à l'heure actuelle que je vous parle, je ne vois pas l'Afrique du Sud perdre contre le Botswana sans avoir marqué, bien évidemment. Même si elles sont maintenues à l'heure actuelle, il faudrait que le Nigeria batte le Burundi minimum sur 4 buts à 0, comme je l'ai dit, sans encaisser de but. Parce que ça va leur donner une différence des, des, des cas. Si on va maintenant se baser sur les buts pour pouvoir essayer de faire ce croisement. Je ne sais pas si beaucoup se font comprendre, je ne sais pas si je me fais bien expliquer par rapport à cela. Bref, ça c'est mon avis personnel. Au cas où on va rencontrer l'Afrique du Sud, je vous attends dans les commentaires. Nous allons essayer de discuter et débattre par rapport à cela. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais d'abord commencer par la mauvaise nouvelle, étant donné que nos filles ont consolidé des cartons, nos deux filles. Je vous l'ai dit pour ceux qui me suivent. Lorsque le Cameroun jouait face au Togo, auquel Monique, Monique, bien évidemment, elle a juste eu la précipitation, elle a eu un carton. Et ce carton jaune va nous coûter cher, étant donné qu'elle va pas, pas joué le, euh, les quarts de finale. Elle a eu un carton hier. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces arbitres, étant donné qu'Eto, lui, il a déjà donné des conseils que vous devez jouer 14 contre 11. Quand il disait 14 contre 11, ça veut dire que quoi Il y a l'arbitrage, il y a le public, bien évidemment. Vous voyez cette différence-là. Et Ngomouni, en elle ne va pas être avec nous. Yango, bien évidemment, elle aussi, elle avait eu un carton passé. Bête erreur, je ne sais pas où l'habitrage, je ne sais pas pourquoi on a ce problème d'habitant, mais qu'à cela ne tient. Les filles ont assuré dans tous les postes. Nous avons commencé à prendre la gardienne. Jusqu'à présent, nous avons ce problème qu'il faut résoudre. La gardienne, elle n'est pas toujours confiante. Elle fait des très mauvaises sorties de balles. Ça a failli nous coûter cher hier. Yeah. Heureusement que hein, la défense en elle était en place. Vraiment, si vous voyez le positionnement de la gardienne en question, j'étais vraiment déçu. J'avais déjà peur. J'avais dans la cramblote. J'avais peur d'apprendre un AVC direct par rapport à cette sortie. Toujours, quand le ballon montait dans notre camp, j'avais cette sensation de, 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 de but et le but va toujours entrer. Mais quand cela ne tient, n'ont pas pu tirer dans les goals. Étant donné que quand tu as une bonne défense, la gardienne en elle, nous souffre des elle ne souffre rien. Ne soyez pas surpris que si nous arrivons en finale, elle sort meilleure gardienne, étant donné qu'elle a pratiquement encaissé un but, si je ne me trompe pas. À l'heure actuelle, je vous parle sur la compétition. Vous voyez, le travail de la défense est vraiment très, très important. Donc, ne tirez plus sur Onana, disant qu'il encaisse trop de buts. Si la défense en elle ne fait pas le taf, le gardien ne peut rien faire. C'est vrai qu'il y a certaines occasions que le gardien peut faire, mais à l'heure actuelle, si on gagne, elle a que seulement un but encaissé. Elle est le meilleur gardien de la compétition, si je peux le dire. Ainsi, donc, il faudrait qu'on revoie encore le problème du gardien à l'heure actuelle. En ce qui concerne maintenant la défense, tout à l'heure par personnel, personne ne pointe du doigt la performance. Moi, je dis qu'elle est le succès de cette rencontre. tout et Abuji Onguine, ces deux-là sont aussi. Il y a le succès et le succès, si je peux le dire ainsi. Elles en elles elle sont parties prenantes à 100%. Je ne dis pas que les autres n'ont pas fait le taf. Elles en elles sont parties prenantes à 100% durant ces rencontres. Le système de jeu que l'entraîneur est venu avec, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a l'entraîneur, il y a l'entraîneur tacticien. Ces deux, Je ne sais pas si c'est deux choses différentes ou complémentaires. Nous, on a un entraîneur, oui. Est-ce que nous avons un entraîneur tacticien Je ne sais pas si c'est le DTN qui a apporté sa touche personnelle par rapport à cette rencontres, mais ça a payé. Non, ça veut dire quoi? Nous avons besoin d'un antenneur tacticien. Ça veut dire que nous avons déjà des bonnes armes à notre disposition. Mettre sur plan maintenant la tactique pour pouvoir marquer début. C'est de ça qu'il s'agit par rapport à cela. Par rapport à Onguine, Ong, je, je vous ai fait part dans l'onglet de la communauté, bien évidemment, que Ndianna et Onguine ont du travail à faire avec ce plan de jeu que l'antenneur a mis sur pied. Ça veut dire quoi? Elle va jouer à piston, elle doit monter et descendre. Si vous avez bien constaté que lorsque tout fait la passe toujours à Abuji Ongene, qu'est-ce qu'elle euh, qu que fait Mofumoto monte pour donner la passe à Abuji. Quand Mofumoto envoie la passe à Abuji Ongene, qu'est-ce que Mofumoto, Mofumoto fait quoi? Elle monte. Je ne sais pas si vous avez vu cette liaison, cette alchimie qu'il y avait entre ces deux filles-là. Ça a marché perf... C'était super, je ne sais pas quoi dire, vraiment, je ne sais pas quoi je suis vraiment très très heureux. Top performance de d'Indiana. Langa a tué, elle l'a joué, dans son poste là, chapeau ma. Top performance là-bas, il n'y a rien à dire. Au moins là, je suis confiant de ce côté. C'est vrai que Yago et Monique, les deux, Alors, ont... c'est un gombele qui faut donner le chapeau. Top performance, elle joue là un peu comme Xavi, elle joue un peu comme Inesta là. Je ne suis pas magrien, je suis barcelonais. Laissez-moi vous dire cela, je suis barcelonais. Je ne peux pas parler de Mogriche et autres. Je parlais de Xavi et Inesta. Elles ont assuré sur le milieu de terre. Elle a assuré. Elle avait en elle ces deux personnalités, si je peux le dire ainsi. Top performance, elle a joué là comme... Le poste à actuel elle actuelle qu'elle utilise, c'est un faux d'ici, si je peux le dire ainsi. Tu vois un peu, elle était en attaque, elle était un peu en arrière. C'était un faux 10. Et ça a payé, si je peux le dire, ainsi. Et comme je vous, dit, je vous avais tantôt dit que Adjara ne devait pas en elle jouer en pointe. Son problème doit être sur quoi Sur les côtés. Et étant donné maintenant, euh, le coach l'a mise mis, mis sur les côtés et ça a marché parfaitement. Elle, sont, elle ne joue pas en pointe, elle joue en nilier et ça a payé cash. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous me suivent dans mes débuts. J'ai bien parlé de cela Adjara ne doit pas jouer en nilier. Elle ne doit pas jouer en pointe, elle doit jouer en nilier sur les côtés. Et ça a payé. C'est pour ça qu'il nous faut un entraîneur un tacticien, un peu un entraîneur tout simplement. Et le dt a apporté sa touche personnelle et je vois que ça a marché. Et je pense que le prochain dispositif va être basé sur. Le 3-4-3, étant donné que nous avons l'absence de Gonyago et Communique. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais je pense que c'est la prochaine tactique des Lyons Moi, personnellement, c'est mon avis par rapport à cette rencontre que je suis en train de dire. Vous vous rendez compte que, je me suis rendu compte que toutes les équipes à l'heure actuelle sont focalisées plus sur Adiara. Et c'est ça qui est un plus pour nous, étant donné que nous savons qu'elle joue, elle est l'une. À l'heure actuelle, qui évolue dans un grand club inter, si je peux le dire ainsi, dans un grand club à l'heure actuelle, tout le monde était focalisé. Même en conférence de presse, ceux que j'ai mis dans les vidéos ont compris que tout le monde se focalise sur Adjara. À l'autre, le but peut venir de part et d'autre. Et ça, c'est aussi un atout pour notre équipe. La seule chose à modifier ici à l'heure actuelle, c'est mettre sur pied une bonne tactique, revoir la sortie de notre gardien et que les filles restent confiantes comme ça du début jusqu'à la fin, ça va aller. Moi particulièrement, même les lions, même les hommes n'ont jamais procuré une telle performance, même en cas c'est là chez nous. Ils n'ont jamais procuré une telle performance comme cette, cette fille a fait là. Je suis vraiment très très heureux. Comment est-ce qu'on ne peut pas applaudir par rapport à ce masterclass Même si c'est qui qui vient maintenant là en là-bas. Parce que Ngo là, malgré qu'elle a, a consolidé le carton et autres, là, elle n'était pas trop ça. Elle n'était pas trop ça dans l'équipe. C'est peut-être que Gong Yago, euh, Yago, que moi, ça me dérange, mais Gong Monique, là, elle doit un peu se reposer. Elle doit un peu prendre. Elle doit recouvrir tous ses états d'esprit, si je peux les dire ainsi. Ça, c'est ma modeste conclusion par rapport à cela. Donc, prochaine tactique du match, il doit entrer avec un système de 3-4-3, bien évidemment. Je pense que là, ça va donner. On doit revoir la sortie de notre gardien, là. Elle a des choses. Elle a des choses à faire. Oui, et je voulais aussi saluer la performance de, elle s'appelle comment voulez saluer la performance de Bengono, qui est Bengono, qui a eu, c'est celle qui a eu la passe décisive, bien évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, pour que Adia bute, si je peux le dire. Ainsi, bref, ça c'est mon avis personnel, ça c'est ma joie que je voudrais partager avec vous. Et je suis vraiment très très heureux par rapport à cela. Et je pense que d'ici ce soir, on connaîtra notre prochain adversaire. Moi particulièrement. C'est l'Afrique du Sud. Il n'y a rien à faire. C'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est calé pour ce soir. Moi, c'est ce que moi, j'ai dit, c'est l'Afrique du Sud. Bref, j'attends les vôtres en commentaire par rapport à ce, à, cette, à ce croisement, si je peux le dire ainsi. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes. Et surtout... Tu actives la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous représentons le vert aux jeunes sur cette chaîne bien Évidemment. Sur cela, je vous dis à la prochaine et passez un bon week-end. Ciao, kiss.